Et salut à toutes et à tous, c'est Blitster. Et nous sommes pas sur Dokkan Battle. Oui. Alors, les gars, je reviens. Déjà, bah, bonne année à vous. Hein. Voilà, première vidéo 2024. Hein. J'espère que la santé 2024, tout se passera bien pour vous. Nous sommes revenus en ce combien 19 janvier 2024 parce que du coup je me suis rendu compte que je prenais plus de plaisir justement en ce moment à jouer à Legends plutôt qu'à Dokkan Battle. Est-ce que ceci s'explique parce que du coup on a drop certains personnages, enfin du moins les derniers personnages en date? Pas totalement. En vrai de vrai, depuis que on va dire qu'on a drop Vegetto Blue, en vrai je ressens, comment ça s'appelle, je me sens bien sur le jeu. Voilà, je joue et tout, je joue mon personnage préféré. Donc c'est vrai que la vidéo en plus était sortie cet été par rapport à ça, à l'anniversaire, mais bon, on n'a pas fait de vidéo derrière. Donc trêve de blabla, de bavardage, on va essayer de se donner à fond et de tester le Ki Goku. Alors, les gars, juste pour vous situer la chose, le Ki Goku, comment dire, il est tombé que 3 étoiles. Voilà. Je sais pas si je le mettrai en intro ou quoi, ou que je mettrai le screen, mais on a été chanceux, hein, on a fait un cycle. Seulement, j'avais juste 3000 cristaux, donc voilà. Donc 3000 cristaux, et on voit du coup au niveau de la team, surtout de Mademoiselle Pan. Alors oui, au niveau équipement, c'est pas très optimisé, oui, au niveau des caps Z, potentiellement, c'est pas optimisé. Mais j'ai joué la team comme ça, et franchement, plutôt surpris de ce qui s'est passé. Donc, on va aller voir au niveau de la liste des équipements. Hein. Donc voilà les gars, pour le moment bah oui, voilà, on a fait un peu le flopper sur le comment ça s'appelle, sur l'extra bonanza, hein, enfin l'ultra bonanza, mais bon, voilà. On a essayé d'optimiser le truc au max, mais c'est pas passé. Donc voilà. Et puis quoi dire d'autre? Bah on se retrouve directement pour les games. Allez, let's go. Bon, alors, en team en face, ok. Ah, c'est pas passé. Je veux dire, ouais, en team en face, on a quand même le tac TDP en face là. Et bah, franchement, bah, on est parti, hein. C'est de là que ça part. Hein. C'est con, j'aurais dû strike, mais on a Gohan. Ouais, alors pour le moment, première apparition, c'est vrai que c'est pas. Ouais, les dégâts sont plutôt corrects. Un flashbang, non, ça passe pas. Ok. Là, on a l'anti-cover. Pendant 15 secondes. Pas au niveau des dégâts, c'est pas en reste. Hein. Est-ce qu'on mettrait pas G4? Si. Allez, let's go. Comme ça, on waouh, il cycle vite le monsieur là. Incroyable. Ah, c'est pas grave, on a rien là en termes de cas. Ah, j'ai pas fait le tackle au bon moment. Ah, dommage. Est-ce qu'on... Let's go. La mise à cover qui passe, c'est incroyable. Goku, on va... Yes. Let's go. Allez, on reprend le combo. On va jouer Pan. Gohan qui re-rentre encore. Ouais, c'est vrai qu'à contre-type, Pan, c'est pas si ouf que ça. Alors les gars, je pense qu'on fera une... Comment ça s'appelle? Un test aussi sur Pan. Là, on est en train de se faire démonter. Hein. Bon, en même temps, ouais, la team en face, je vais pas dire qu'elle a l'air plus optimisée que la mienne, mais déjà, en tout cas, c'est sûr qu'elle tape plus fort en termes d'étoiles. Déjà, G4, j'ai à peine eu un doublon depuis que je l'ai, on va dire, Zenkai 7, là.
Enfin, Zenkai 6. Enfin, depuis que j'ai eu 7 étoiles, c'est ça que je veux dire. Pan. J'ai pas envie de perdre G4 maintenant. Voilà, on va éviter. Ah, pas évident là. Hein. Bon, pour le moment, bah en vrai, Pan, là, je suis assez surpris dans le sens où elle tanque un peu là pour le moment. Bah, ah, j'aurais peut-être dû mettre Kid Goku. Hein. En vrai, il aurait pas tué sur le Rising. On va tenter la verte parce que j'ai pas vu faire de verte, il me semble. Hein. Ah, dommage. Dites-moi si jamais j'ai cru ne pas voir de verte, mais en soi, c'était fortement possible. Bon, au moins, bon, Pan, on récupère les supports justement lorsqu'elle meurt. Ah, dommage, j'aurais dû attaquer direct. Ah, ça va être difficile pour revenir. Hein. Bon. Bon. Let's go. Non, j'ai failli mon Rising Rush, non. Oh, le désastre. Yes, let's go, ça passe. On prend le flashbang. C'est un peu dommage parce que là du coup on fait pas de dégâts hein. Là ah l'aspect qui a fait plutôt mal. Ah le tackle non. Mais le jeu réagit s'il te plaît. Non. C'est quoi ça. Allez let's go. On prend. Wouah les dégâts de la blast. Attention. Pan qui rentre. Ah c'est dommage. C'est dommage. Tapotir. Tape attaque. Tape attaque. Réagis. Yes, let's go. Bon après. Ah bah là ouais, je pouvais rien faire. Ah bah c'est terminé pour nous. Hein. On récupère plus de vie et tout. Ouais. Bon. Bah première game pas très très concluante hein, mais du coup je vous promets que en vrai de vrai il s'est passé 2-3 dingueries on va dire hors ligne hein, mais enfin voilà en out c'était plutôt cool donc bah prochaine game par contre je suis pas mécontent des dégâts hein, voilà c'est tout ce que j'ai à dire hein. Bon, en face de nous, nous avons une team TDP avec une team Gohan Beast Super Hero avec comment dire avec le tag TDP, c'est ça que je veux dire. Bon, après, je pense que vous avez dû le voir sur le petit screen de début de game. Les persos sont pas très très étoilés. Merde, j'aurais pas dû faire ça. Oh, ça. Ah, ça passe, mais du coup, en fait, il. Ok, il peut pas se faire stun par ça, ok. Bah, écoute, hein, let's go, hein. On est G4 hein, pour le moment. On va juste tap attaque. Ah, c'est passé. Bah, impec, let's go. Hein. Et ben. Mon ref. Bon, je pense que c'est ciao. Hein. Ah, ouais, aïe. Désolé mon ref. Ah ouais, après niveau étoile c'est vrai que c'est pas si ouf hein, mais bon. Ah bon tu tombes. Ah ouais le contre-type par contre. Okay. Après ça se voit que mon Gogeta n'est pas étoilé hein, parce que là du coup après le truc c'est que j'ai pas la jauge de rempli là. Hein. Alors les dégâts c'était quand même indécent même si c'était pas étoilé en face, mais Waouh. Ok. On tente, hein, on charge au moins la jauge de Kid Goku. Ouais, si tu veux. Hein. Normalement, je meurs pas sur le Rising Rush. Hein. Dites-moi que je me trompe, hein, mais normalement, je meurs pas. Hein. Ah bon, bah, ok. Bon, bah, je meurs décidément pas. Hein. Ouais. On n'a pas vu Kid Goku là. Oh, let's go. J'ai mis autant de temps que ça?
Mais non, t'es pas sérieux. Alors là, mon ref, là, je suis pas d'accord. Voilà. Ah bon? Ah bon? Bah, ok, les gars, game suivante, hein. Il aurait pu au moins me le laisser, le Genkidama. Ah là là, abuse. Bon, Migaté en face. Nous avons une team TDP. Ah, ouais, ça commence bien. Ça commence très très bien. Bon, on perd pan. Voilà, hein, voilà. Ah, monsieur n'a pas envie. Ah, ça lag. Ça lag un peu. Ça lag un peu, monsieur. Ouais, bon, ouais, là, il snipe pas, hein, de toute façon, c'était sûr. Bon, bah c'est pas grave, on va pouvoir commencer avec quelques dégâts supplémentaires. On va dire ça comme ça. Ah, pendant un moment, j'ai cru que ça... Ah, dommage. Une strike, non? Ah, non, je l'ai vu trop tard, la strike. Dommage. À mon tour. Ouah, les dégâts, c'est plutôt pas mal. Ouah, même sur Vegeta, hein. Ouah, ça rame un peu du cul, là. Non. J'ai pas la mise à couvert, là? On va remettre G4, non? Ouais. Ouais. Quoique j'aurais peut-être dû... Ah ouais, en plus, j'ai fait un peu l'idiot, hein. Let's go, ça touche. Ouais, vas-y, je vais retirer mon contre-type, hein. Comme ça, s'il met Vegeta, c'est... Ah, il remet Migaté? Déjà? Ah, dommage, j'ai tellement cru. Non. Il a pas mis un peu de temps. Ah non, mais il lag complètement, le gars. Ah ouais, tu joues Migaté et tu lags en plus. Tu te permets de laguer. C'est trop. J'aurais dû mettre Kid Goku, hein. En vrai, Ah non, pas que. Oh, il me semble qu'il retire la sur Yokao sur le contre, enfin sur le main, hein, c'est ça. Hein. Je suis un peu deg là de ce qui vient de se passer, les gars. Hein. Ah yes. Putain, c'est tellement dommage. Aïe aïe aïe. Ah non, ça recommence, c'est sérieux. Mais mon ref. Eh, faut pas faire ça, hein. Ouais, connexion instable, bien sûr, allez. C'est une dinguerie ce qui vient de se passer quand même, hein. Alors, je... Dis-moi... Ouais, bon, si ça me permet de me débarrasser de Vegeta, strike. Allez, let's go, j'avais pas de spé. Un danger en moins, ah dommage. Là c'est la verte, ah non c'est l'aspect. Il tue pas, hein. Il tue pas. Ah dommage, non. Ah ouais, mais le gars il se permet vraiment de laguer alors qu'il a une team de Zenzen quand même. Ah faut pas faire ça, faut pas faire ça. On essaye, hein. Ah, l'aspect qui passe pas, mais non, tu te fous de moi. Let's go, ça passe. Let's go! Ah, mon ref, ça fait plaisir, ça. Oh! Allez, bon. Voilà, on quitte Goku suprématie, hein, j'ai envie de dire. Hein. D'habitude j'ai ça pour VB, mais là faut dire ce qui est, là quitte Goku, voilà. En plus le gars se permettait bien de laguer. Eh, victoire pour moi totale. Eh, réellement. Hein. C'est dommage que j'ai pas eu le LF, mais eh, victoire totale. Du coup, les gars, on se retrouve pour une dernière game qui était déjà enregistrée. Eh, je vais y arriver, qui était déjà enregistrée. Donc, en espérant que du coup, ceci va vous plaire.
Bon bah les gars, bah en espérant que la vidéo vous aura plu. En vrai, je sais pas ce que. Bah après, bon, s'il vous plaît, ne jugez pas mon niveau de jeu sur 10, hein. Voilà, hein, parce que potentiellement, comparé à certains, je joue mal. Et pour le moment, oui, on essaye encore apprendre à maîtriser la team GT. Kid Goku, Kid Goku, Kid Goku. Bah pour le moment, bah moi j'en suis très satisfait, hein. 3 étoiles, ok, mais je pense que en vrai de vrai. Il y a moyen que je joue quelque chose. Bon, après, ça risque peut-être de pas être très très fort. Mais je vais essayer de préparer quelque chose. Parce que là, je me dis, il y a un truc à faire avec ce personnage dans une certaine team, mais je vous en dis pas plus. Donc voilà. En tout cas, si la vidéo vous a plu, les gens, n'hésitez pas, bah, à laisser votre petit pouce bleu, laisser un petit commentaire. Voilà. En espérant que mon retour vous déstabilise pas trop, parce que le gars qui part, qui revient en été et qui revient genre 6 mois après pour le nouvel an, ouais, on a rarement vu ça, hein, du coup, voilà. Mais bon, comme d'habitude, je promets rien, hein. Je vais dire juste, j'essaierai d'être régulier, de proposer du contenu assez régulièrement. Maintenant, Dragon Ball Legends, ça se prête plus au live, donc du coup, je pense que potentiellement on va live un peu plus, voilà. Donc, ce que je disais déjà sur Dokkan, hein, bien évidemment. Mais sinon, bah les gars, encore une fois, bah j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer soit une bonne journée, soit une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'était Blister et je vous dis tchuss tout le monde.